Ce que je veux, c'est proche de lui, c'est des blocs fixes. Donc là où il rentre, on rentre direct avec lui. On lift ici, la transition de suite au sol. À 5. Allez, c'est parti. De suite. Allez, viens costaud. Là, ça bouge au sol. Ben, mon rôle, il est d'être co-entraîneur de la conquête avec William Servat. Et puis, on est aussi des tâches spécifiques. Donc tous les deux, William la mêlée, moi la touche, tout ce qui se passe en l'air et au sol. Et puis aussi les tâches spécifiques, c'est-à-dire William est plus axé sur les rucks, sur la collision, et moi sur la même action, sur tout le jeu d'avant, je regarde un peu plus tout ce qui est réactivité, la position des pieds. Donc sur les mêmes actions, on a un œil différent, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est complémentaires. Charles, oui. Vous travaillez. Vous rentrez, vous mettez des blocs fixes, on travaille, je veux juste voir des bons lifts. Fabien nous a passé la commande, voilà, ce qu'il voulait, c'est qu'on ne travaille plus en silo, comme ça a pu être le cas auparavant. Des fois, c'est un peu une nouvelle méthode, que je travaille un peu déjà de la même façon sur Lyon, avec éviter de travailler en silo pendant une heure la touche, une heure la mêlée, où les avants sont statiques pendant une heure, et travaille juste la touche ou la mêlée. Donc on travaille sur des périodes courtes et intenses. Et la seule chose qu'on a demandé aussi, c'est d'avoir, comme on a deux groupes de 21 souvent, c'est d'avoir un moment donné où à chaque fois quand les groupes se rejoignent, d'avoir un moment où les avants soient connectés. Donc ça, c'est vraiment une chose qui était importante avec William, que les avants soient toujours connectés les uns aux autres et des moments dans la journée où ils soient tous ensemble. On file une coq et après vous avez deux mêlées avec William. Il n'y a pas d'intensité, juste la concentration. Aujourd'hui, pour avoir une bonne touche, ce qui se passe au sol est le plus important, même si on regarde le ballon en l'air. Le déplacement au sol, les appuis, le déplacement autant des lifteurs que des sauteurs, c'est la chose que je regarde le plus. Les joueurs sont un peu en autonomie, travaillent ensemble. Pour preuve, les derniers joueurs qui sont arrivés, à chaque fois ont été aidés par ceux qui étaient déjà là, leur ont donné les touches, leur ont donné les exercices. Et c'est là qu'on voit que les joueurs sont de plus en plus connectés les uns aux autres. On travaille déplacement en reculant, les deuxièmes lignes. Paul et Bernie, vous n'avez pas trop sauté, vous voyez bien les positions, vous revoyez tout. Tout est bien réglé, on sort d'ici, 10 minutes, on va sur le synthé, on fait 10 touches. Ce qui est le plus important, c'est le process. On essaie de travailler ensemble, je leur propose des choses et puis on essaie de garder celles qui sont le mieux. Voilà, le plus important pour moi, c'est de travailler vraiment ensemble avec les joueurs et qu'ils se prennent en main les uns avec les autres, qu'ils arrivent à communiquer ensemble et c'est ce qu'ils font de mieux en mieux depuis quasiment cette semaine. Charge ! Parfait. Allez, des bons lifts. On les passe une fois toutes pour Paul et Bernard.